ici au Vieux-Port, devant l'hôtel de Ville à Montréal. Dans le contexte de la rentrée scolaire, nous voudrons rappeler à la population montréalaise et canadienne et québécoise que ça fait presque un an que Daniel, une mineure d'origine mexicaine, a été arrêté dans son école et déporté vers le capitale du Mexique, où il reste dans l'une des villes les plus dangereuses du monde. Alors, nous voulons rappeler que dans un contexte où beaucoup d'attention est portée vers les migrants, la crise globale des migrants, puis il y a des appels faits aux autorités critiquer leur manque d'action, critiquer les politiques d'exclusion, que cette politique d'exclusion se refasse à tous les niveaux, incluant au niveau de la ville. Alors, c'est pour ça que nous sommes